Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit story time. Alors je sais plus exactement c'est lequel de story time sur lequel je m'étais arrêté parce que voilà, oui, j'ai fait une pause, vous le savez, mais au pire si tu sais pas, tu comprends pas, etc., tu vas voir la vidéo précédente, celle où j'explique justement le comment du pourquoi. C'est quelque chose, c'est pas très ouf, c'est pas très ouf, j'ai juste besoin d'un peu de recul. Et du coup, on se retrouve dans story time pour vous raconter un peu ce qui va se passer dans un futur très proche de la chaîne. Alors ce qui va se passer, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pris du recul sur tout ce qui est virtuel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai même pas maté de série, ni de manga, ni rien, mec. Ouais. Le seul truc que j'ai tenu, je t'avoue, je suis pas menteur, c'est Dragon Ball Super, parce que c'était un truc, voilà, fort sympathique à tenir le dimanche, tranquille, c'est peinard. C'est tout. Le reste, Boruto, Game of Thrones, j'ai pas regardé. Il y a plein de trucs que j'ai pas regardé. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais vous donner mon avis sur la saison 7 de Game of Thrones dès que je l'aurai vu. Donc je vais l'attaquer direct, comme ça, ça va être rapide. Je vais reprendre Boruto et reprendre les reviews si le manga est bien parti, bien évidemment, parce que j'en avais parlé justement. Je commençais à faire une pause parce que l'animé commençait un peu à me gaver. Mais du coup, est-ce que, vu que j'ai pas vu les épisodes, est-ce que l'animé a repris un peu son niveau de base, tu vois? Donc ça pourrait être intéressant. On va voir ça. Et bien sûr, The Walking Dead qui arrive bientôt. Et du coup, ça c'est clair et net que ça, je peux pas louper. Enfin, j'avais dit pareil pour Game of Thrones, mais du coup voilà. Mais ne t'en fais pas, il y aura plus de base. Si tout se passe bien dans ma vie, si je meurs pas, si se passe pas, si tout va bien dans ma vie, touchons du bois, touchons du coq et ce que tu veux. Normalement, je suis là. Voilà. Et j'espère que ça te fait plaisir de me voir revenir sur cette plateforme qui est YouTube, qui embellit ma vie et avec cette luminosité de merde. Donc, surtout, excuse-moi. Voilà. Veuillez me pardonner de cette luminosité de merde. Je n'ai pas les moyens d'acheter une ampoule. Je suis complètement un clochard. Et voilà. Et du coup, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et pour ceux qui du coup se poserait, parce que juste avant que j'ai fait cette espèce de pseudo-pause, j'avais annoncé justement que je voulais lire les scénarios de vos scénarios qui pourraient être que vous m'avez écrit en fait sur la saison 6, une potentielle saison 6 de Prison Break, vos idées, etc., qui pourraient être complètement intéressant, chose qui était intéressante. Mais je m'attendais à plus de scénarios vu le monde que ça m'a apporté, justement Prison Break, et seulement je n'en ai pas eu beaucoup. Donc ce que je vous propose, c'est pour ceux qui ont les petits retardataires, si vous n'avez pas quoi foutre, vous allez sur mon Snapchat ou par contact email pro, etc., vous m'envoyez votre lien vidéo ou juste le texte d'un résumé d'une saison 6 qui pourrait éventuellement vous plaire. Et d'ici très peu de temps, je vais le lire, donc je vais lire tout déjà ce que j'ai reçu, enfin les meilleurs que j'ai pris, ceux que j'ai appréciés le plus. J'aurais juste en avoir voulu avoir, tu vois, bref, t'as compris, j'en aurais voulu en avoir plus. Moi, pas parler français, mais on s'en fout. Surtout, j'espère que vous allez continuer à être indulgent comme vous avez pu l'être auparavant. Parce que je vais commencer un peu à vous montrer un peu le lieu où je vis. Oui, j'ai eu du mal à le dire. Mais l'entourage de ce lieu, tu vois. Parce que je vis quand même dans une petite région qui est sympatoche. Et du coup, pourquoi pas vous montrer ça, parce qu'il y en a plein qui font des vlogs sur ouais, nanana, les Japon, les ci, les là. Oui, j'adore le Japon, attention, je critique pas, chose que je regarde d'ailleurs de longue. Mais du coup, je me dis, est-ce qu'on parle suffisamment de la France? La France et ses coins sympatoches. Donc j'ai pas les sous pour faire tous les coins de la France, mais je vis dans un coin sympa. Donc pourquoi pas vous montrer tout ça? Voilà, j'espère que vous suivrez tout ça, j'espère que vous allez continuer le soutien que vous avez pu m'apporter sur les précédentes vidéos que j'avais fait avant que je fasse ma pseudo pause. Et vous serez toujours là. En tout cas, moi je suis là et je vous kiffe. Voilà, même si voilà, je vous kiffe. C'est tout ce que j'avais à dire. Et il y aura des petits trucs que voilà, vous verrez. Ça arrivera sur la chaîne, ça sera délire, ça sera stylé. Ça sera moi. Ça sera moi. Moi, Rémi, tu sais que le mec vrai, tu vois, ça sera moi. Moi, le vrai, le moi. Oui, je suis là. Ça te fait plaisir. Allez, salut.